Un jeune entrepreneur sud-africain vient de s'engouffrer dans une niche dans le secteur du fitness. Ngadeko Mas Wankanye propose des cours de danse, mais avec une différence. D'une part, c'est strictement réservé aux femmes et d'autre, il faut porter des talons aiguilles. Une première en Afrique du Sud. Nkateko Amsawanye déclare que ces choses vont aider avec l'estime de soi et cela sert également à se maintenir en forme. Son studio Rocking and Heels encourage les femmes à danser sur leurs talons aiguilles. Cette jeune femme de 26 ans développe le concept en Afrique du Sud. Danser le rock sur des talons est un exercice de danse que j'ai créé. C'est à la base pour les femmes, celles qui veulent apprendre à marcher sur des talons et comment bouger leur corps et se sentir bien dans leur corps. J'ai également créé un espace très sécurisé pour les femmes qui ont une journée très stressante. Elle-même danse depuis l'âge de 9 ans. Après avoir dansé sur la planète, aux États-Unis, en Allemagne et dans d'autres pays, elle a décidé de lancer cette tendance à Johannesburg. Mon objectif est de bâtir un empire. Je veux que les gens dansent sur des talons partout dans le monde. Il faut donner plus de pouvoir aux femmes pour qu'elles apprennent juste à s'aimer et à danser le rock en talons. Et donc, y a-t-il une catégorie spécifique de femmes qui désirent danser avec des talons aiguilles? Il y a différents types de femmes qui viennent à mon cours. Vous avez celles qui travaillent dans les entreprises, des femmes au foyer, des femmes qui ont leur propre activité, juste des femmes ordinaires. Et à Johannesburg et au Cap.